away. I just wanna see a better day. I just wanna soar and never drown. I'm looking for my happiness now. I just wanna swing and fly away. I just wanna see a better day. I just wanna soar and never drown. I'm looking for my happiness now. Who do you call when you feel down low? I just wanna scream, I just wanna explode. I just wanna let go. 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 J'ai gagné. Les projets Marvel. Je la badane parce que avec Star Wars, ça tapait des trucs de ouf, donc Marvel, j'imagine pas. J'ai pas fait de réaction sur Star Wars, mais quand je vais réagir sur Marvel, ouais, ça... Oh, je vais décéder, je suis sûr, je vais faire des... Faire des trucs comme ça, j'en suis sûr, au moins un, j'en suis sûr. Je suis fatigué, j'ai cours demain à 8h, c'est, ça finit à vers 2h, 2h10 du matin. Donc je me sacrifie pour vous, mais c'est aussi parce que je voulais vivre ça en direct comme ça. Et pouvoir voir ma réaction et la vivre et la revivre et la revoir. Parce que en général je réagis pas trop bien au trailer, mais là Marvel, je suis sûr, j'ai à avoir des réactions de malades mentaux là. Ah, Marvel Studios, allez. Le logo de Marvel, la musique, tu vois. Kevin Feige, quel homme, quelle casquette. C'est beau ça. Vive les casquettes. Merci, les sons sont là. Je vais décéder. Allez Kevin, balance la sauce. Balance le trailer de WandaVision et de Falcon Winter Soldier. Allez. Bah, vu qu'il réserve Marvel à la fin et pas Star Wars, c'est qu'il y aura du lourd, hein. Allez Kevin, vas-y. Jamais été aussi heureux de ma vie. Voir Kevin Feige, voilà. Ce n'est qu'un homme avec une casquette, mais bon, c'est le patron de Marvel, tu vois. WandaVision. Est-ce qu'il y a un trailer? Est-ce qu'il y a un trailer? Est-ce qu'il y a un trailer, Kevin? Est-ce que vous avez fait teaser avec des posters avant? Donc... un trailer. Trailer de WandaVision. Allez, on y va. On mate ça. Réaction du trailer maintenant, là. Alors, trailer. Ouais. Sabrina, la sorcière bien-aimée. Ma sorcière bien-aimée. Eh, il y a une bonne musique. J'ai jamais été heureux d'être devant un trailer. Mais c'est pas le trailer, c'est l'événement, tu vois. Je sais qu'il n'y aura pas que ça. Vous me verrez rarement sourire. Sauf là. Allez, balance un gros truc dans ce trailer. Ah, les jumeaux avec les petits papillons. Ah, ce côté fond vert, ça marche bien, en vrai. Dans leur côté rétro, là. Parce que ça veut dire qu'ils vont essayer de faire une mise en scène vraiment sitcom, avec même des faux ciels, des fausses fenêtres, vraiment fond vert. Du coup, Monica va espionner Wanda, du coup. Bon, et Carambo, la fête d'Halloween, la fameuse. C'est qui, ça? Jimmy Woo. Oh, la fausse pierre de l'esprit. Est-ce qu'on aura un truc de plus? Un truc à la fin? Bon, ils ont sorti un trailer, ils n'ont pas dévoilé grand-chose, ça va, tant mieux. Ils ont été plutôt discrets, bravo à eux, pour le coup. Ah, Doctor Strange 2, allez. Sam Raimi confirmé, du coup. Est-ce qu'on... Le reste du casting?
Bon, ceux qui reviennent du 1, qui d'autre? Des nouveaux noms? Ah oui, c'est Miss America, du coup, c'est confirmé. Cette actrice joue Miss America. America Chavez, qui, du multiverse. D'autres trucs, Kevin, sur Doctor Strange 2? Spider-Man 3. Ah si, il va pas être Spider-Man. Alors que c'est Sony. Ah non, non, non. Non, il parle pas Spider-Man 3 parce que c'est Sony. Falcon and Soldier, un teaser s'il te plaît. Un teaser s'il te plaît, au moins. Au moins un teaser pour Falcon and Soldier, je t'en prie Kevin. Je vais voir ça. C'est ça, sort en mars, à peu près, on est en décembre, ça colle. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. It's a Marvel Studios movie played out over 6 episodes. And now here for the first time is an exclusive. Allez, non, montrez-le nous, pas de fake. Oh si, Captain America, Falcon and Soldier, yes. Oh, le costume d'Avengers. Oh, ouh, ça c'est beau ça. Allez, allez. Je suis trop content, ils font un même un truc pour Falcon and Soldier. Ah, c'est beau ça, en Asie, hein, visuellement. Le décor. Ah, c'est une des antagonistes. Ah, c'est les masses, les Flag Smashers, les espèces de terroristes. Ça sort en mars. Officiel, ça sort en mars, du coup. Voilà. C'était ce qu'on pariait tous en mars, donc voilà. Allez. Ça se voit, les plans s'enchaînent, c'est-à-dire c'est vraiment un teaser. Donc. Ah, Zemo devant la tombe de sa famille. US Agent. Oh là là, j'attends trop cette série en vrai, hein, parce que j'adore l'univers de Captain America. Ah, lui. Donc on a un truc en plus, parce que ça, on est dans un trailer très discret, là. Ah là 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 là. Putain de merde. Oh là, l'apparition du logo, ça c'est beau ça. Quelle apparition de logo. Allez, un truc à la fin. Un truc à la fin. Oh yes. Bon, c'est une blague. Bon, côté Marvel, vas-y. Tu vois. Là, le petit côté buddy movie. Donc voilà, on a été dans un trailer discret, mais on l'a eu. Quand même, on l'a eu. Ah, Black Widow. Alors, est-ce que vous le gardez au cinéma? Est-ce que vous le gardez au cinéma? Un big screen, ouais. Est-ce qu'on a un nouvel aperçu de Black Widow alors qu'on s'est déjà tapé deux trailers, hein? Ah, Loki. Loki, une image. Le casting. Un visuel de Loki. Allez, le tournage vient de finir. En mai, c'est en mai. Loki en mai. Le mois de mai. On a les castings. Est-ce que vous avez des noms? Sortez-nous des noms. Des personnages. Ah non, ok. Ah si, si. En plus, il y a une petite musique. Un petit teaser ou une image. Des images, au moins. Ah putain, on a un premier look. Dites-moi que c'est nous qui l'avons. Oh yes, le visuel de Loki. Ah, la scène d'Endgame, c'est parce que c'est ce Loki-là qu'on va avoir dans la série Loki. Oh. Ah, du coup, on l'a de son point de vue, un peu. Ah, c'est cool de revoir la scène de son point de vue. Comme ça, on va bien mettre au contexte le début de la série par rapport à qui est ce Loki. Lui, il est censé être mort, etc. Par contre, c'est juste la scène d'Endgame. Ah, vous avez bien eu. Et là, bim, Loki, titre. Il était porté où là? Allez, montre. Oh. Bon, ça fait très Iron Man ça dans le désert. Tout le monde, je vois bien me foutre le titre Loki parce que c'est un teaser, tu vois. Où est-ce qu'il est? Oh non, c'est un trailer. Ils mettent le logo Marvel. C'est-à-dire, il y aura une suite. Merde. Putain, pardon pour les insultes, mais punaise. Zut. Oh, Owen Wilson.
Ah, putain, ils l'ont bien bien maquillé quand même. On aime tous Owen Wilson. Du coup, c'est la TVA, on savait tous qu'il l'a attrapé. Lady Loki arrive aussi, peut-être Loki vieux et peut-être Kid et Loki aussi. Donc, on va voir. Donc, la TVA, les agents, une espèce de. L'enchantresse ? Glorious. Oh. Ah non, Glorious, ça veut dire. Ah, les juges Gugu M. Bataro de la TVA. Wow, c'est stylé le design de la TVA. Il y a du style. Oh, les scènes d'Aven. Il va revivre ça de son. Roxxone ? C'est Roxxone ? Ah, oh, punaise. Film d'évasion un peu. Waouh, ça c'est beau, ça c'est magnifique. Lady Loki, je crois. Oh, Vormir, c'était Vormir en fait. Ah. Waouh, ça a l'air trop. Waouh, putain. Punaise, zut. Ah, il a les yeux d'Heimdall, je crois. Waouh, il y a. C'est incroyable, ils mettent pas le contexte, mais ils réussissent à te donner envie et te mettre plein d'images. Bravo à eux. Bravo. Hypé comme ça, parce qu'on connaît pas trop l'histoire, on sait que ce sera par rapport à. Ouh, le casque de. Le casque de la version Kid Loki, c'est trop bien ça. Ce costume. En mai, Loki, du coup. Ah, What If, est-ce qu'on a un truc pour What If? Est-ce qu'on a. Parce qu'on sait ils ont fini les épisodes. Est-ce qu'ils ont fini des... Est-ce qu'on aura un teaser de What If? Parce qu'ils ont, je sais qu'ils ont réussi à terminer des épisodes. Ah si, un look de What If. Balance à sauce. Ah, Nick Fury. What If, première série d'animation de Marvel Studios. Ah du coup, il découvre Captain America tout de suite, genre. Non. Ah, Chadwick, Black Panther en Star-Lord. Doctor Strange, qui est Doctor Strange? On sait pas. Parce que du coup, c'est des What If, c'est des histoires alternatives. On retrouve Iron Man, du coup, en animation. Chadwick, tu nous manques. Ah ouais, c'est la voix de Watu, Jeffrey Wright. Watu, le gardien, qui est doublé par Jeffrey Wright, le grand Jeffrey Wright. Qui est le narrateur de la série, en fait. Du coup, là, c'est Peggy. La banane. Ah, Chala à la place de ça. Oh, Stephen Strange. Oh, l'animation est pas mal. Je trouve que ça passe bien. J'aime bien l'animation, en vrai. Ce côté un peu mouvement. Oh, c'est Mephisto, ça. Non, il dit Mephisto, l'ombre derrière Strange. Oh, ou Watu, du coup. Le narrateur de la série. Du coup, d'ailleurs, ils ont au moins monté 3-4 épisodes. Par contre, c'est l'épisode What If de Strange, je sais pas c'est sur quoi, là, comme ça. Ah, Hawkeye. Oh, le collectionneur, sacré design, Captain Marvel. Thor, du coup, par rapport à Thor 1. Mais où est-ce qu'il est, Doctor Strange? Ah, le zombie Captain America. Putain, Kevin, je t'aime, épouse-moi. Je mettrai des casquettes tous les jours de ma vie. T'inquiète. Un petit truc à la fin, ou quoi? Oh, putain, Chadwick Boseman a eu le temps de doubler son épisode avant de décéder. Ça veut dire, on aura la dernière... Ah, il y a Strange contre un méchant Doctor Strange. Du coup, Chadwick Boseman a eu le temps de doubler l'épisode de What If où il y aura T'Challa. Magnifique. Du coup, on aura la dernière présentation de Chadwick Boseman. Magnifique. Allez, des photos de Shang-Chi. Des photos de Shang-Chi. Ou peut-être un teaser vu qu'ils ont fini le tournage. Oh, du coup, on a leur rôle, non? Qu'on a leur rôle, mais je connais pas l'univers de Shang-Chi, donc je peux pas vous dire. Ah non, on a rien sur Shang-Chi. Miss Marvel, est-ce qu'on connaît le casting? Un peu déçu pour Shang-Chi quand même, j'aurais mis une photo, au moins l'aperçu du costume. Du mandarin surtout, mais bon. Allez. Le reste du casting de Miss Marvel. Oh, par contre, on a un look à Miss Marvel, ok. Bon. Sans déconner. Ah, c'est un petit featurette, on va voir un peu les acteurs, le tournage, les préparations. Comme Cassian Andor pour Star Wars.
qu'on va connaître le reste du casting en dehors de Iman Velani. Et l'acteur, oui, là. Ah, du coup, on a des images, là. Parce qu'on avait vu ça dans le tournage. Les photos qu'elle fitait. Si un trailer d'Eternal, ça m'a... Ça, ouais. Parce que je regarde le live de la chaîne du Geek, du coup. Parce que ça, les Eternals, ils ont terminé le tournage depuis longtemps. Ils pourraient nous mettre un teaser, au moins, tu vois. Même si le film sort après Shang-Chi. Mais bon, ils te foutent un truc... Il y a des posters de Miss Marvel, donc on voit de Captain Marvel, donc on voit qu'elle est fan. Elle est forte en science, etc. Du coup, ils mettent des scènes de la série. Voilà, on a eu des premières images de Miss Marvel, voilà. Parce que le tournage a commencé il y a un mois à peu près. Allez, Captain Marvel, donne-nous des infos. On sait quasiment rien sur le film à part la réalisatrice et Brie Larson qui est dedans. Dis-nous plus, Kevin. Oh, Miss Marvel sera dedans. Miss Marvel et Monica Rambeau seront dans Captain Marvel 2. Voilà, donc les séries vont se connecter au film, du coup avec Captain Marvel 2, du coup vu que Monica était dans Captain Marvel 1 et sera dans Captain Marvel 2 et dans WandaVision. Les Éternels, mets-nous un truc. Je crois qu'il n'y aura pas d'aperçu. Non. Ah, ok, yes. Bon, rien sur les Éternels, le promo discrète à ce fait pour les Éternels. Parce qu'en fait, c'est un bordel. Et le Steinfeld confirmé, du coup. Parce que... son costume test screening. Ouais, du coup, le casting, on le connaissait déjà, Deadline avait dévoilé. Du coup, She-Hulk, allez, des petites infos. Bon, il va confirmer officiellement Tatiana Maslany déjà. Oh, yes, Tim Roth, l'abomination de l'Incroyable. Ça fait 13 ans qu'on l'a pas vu, c'est le méchant l'Incroyable qui revient. Tim Roth en abomination. Bon, Mark Ruffalo, c'est normal qu'il revienne, mais yes, l'abomination, Tim Roth. Quel acteur ? Tim Roth, yes les gars, c'est ça qu'on veut, se connecter à l'Incroyable, c'est ça qu'on aime. C'est les connexions, c'est respecter l'Incroyable qui fait partie de votre univers. Allez, Moon Knight, bon, on connaît Oscar Isaac, du coup il va le confirmer. Est-ce qu'il va confirmer d'autres trucs ? Est-ce qu'il va confirmer d'autres noms ? Avec Oscar Isaac. Ah, il dévoile pas Oscar Isaac. Secret Invasion ! Une série Secret Invasion ! C'est la série de Nick Fury ? Si, c'est la série Nick Fury. Et Talos reviennent. C'est ça, la fameuse série Nick Fury, c'est une série Secret Invasion. C'est officiel, avec Talos qui revient également. Les Skrulls. Bravo. Ironheart avec Riri Williams, c'est confirmé. Est-ce qu'ils ont cast Ironheart ? Oh si, Dominic Thorne jouera Ironheart, je ne la connais pas. Mais voilà, on a la successeur d'Iron Man. Du coup, c'est à peine en début de production, c'est normal qu'on ait rien. Armor Wars. C'est sur quoi Armor Wars ? Oh, c'est la série War Machine ! Sa série, on a enlevé un Iron Man avec War Machine ! Yes ! Kevin, épouse-moi, les Gardiens 3. Oh ! Ils ont fait un Gardien Axie Holiday Special, mais c'est génial ça ! Comme Star Wars, c'est trop bien ça ! C'est une idée qui vient parfaitement au Gardien. Eh, c'est magnifique. En vrai, c'est une magnifique idée de leur part, ça. Du coup, James Gunn, il y a du taf, là. Hein. Entre Peacemaker et ensuite le Holiday Special et le Volume 3, là. Ouah, putain. Non, Groot. Groot va avoir une série télé. Wow. Sans déconner. Ah, truc sur les films. Thor Love and Thunder, quelques infos. Le rôle de Christian Bale, c'est qui ? Gore ! Il joue Gore ! C'est Gore de God Butcher ! Christian Bale !
Blade. Alors, date de sortie Blade. Ok, ils attendent, c'est normal. Ça vient de commencer. Ah, il va confirmer Kang officiellement pour Ant-Man 3. Quantumania, c'est quoi ce nom génial? Quantumania, du coup c'est le Quantum Rune. La promesse du 2 qui sera enfin dans le dessus là. Catherine Newton en Cassie-Lange. Catherine Newton en Cassie-Lange, donc Kang confirmé. Catherine Newton, j'adore cette actrice. Voilà. Donc, Catherine Newton en Cassie-Lange. Chadwick. Du coup, des infos sur Black Panther 2. Et il va nous confirmer comment ils vont gérer la situation par rapport à Chadwick. D'ailleurs, je suis très heureux qu'on aura sa dernière interprétation dans What If avec le trailer. T'Challa ne reviendra pas. C'est Shuri qui va devenir la nouvelle Black Panther. Black Panther 2. Du coup, T'Challa sera mort. Ils vont pas le recaster. Par respect pour Chadwick Boseman. Du coup, T'Challa ne reviendra pas. Voilà. Il va annoncer un nouveau film. Oh putain, les 4 Fantastiques. Oh non! Non! Mais non, pas John Watts! Pas John Watts! Putain, pourquoi t'as pris John Watts? Pourquoi ils ont pris John Watts? Sans déconner, je suis passé de heureux à haine. Pourquoi John Watts? Pourquoi John Watts, il a niqué Spider-Man, il va tuer les 4 Fantastiques. Pourquoi John Watts? Pourquoi John Watts? Non. John Watts, putain, pourquoi John Watts? Pourquoi John Watts? Non, on en reparlera en vidéo plusieurs jours après quand le temps aura passé, ok? Voilà, c'était ma réaction au truc de Marvel, c'était parfait. Mais après, j'aurais aimé des trucs sur Shang-Chi et Eternals jusqu'à John Watts. Aïe.